Toujours très très motivé, le Jack. Allez, allez, on va voler aux salèves. Ben oui. Et peut-être que ce sera, disons, le vol où je serai de nouveau tout seul, tout seul. Ça, c'est top. Personne aux salèves. Bon, des fois, ça rate. Et puis, des fois, ça réussit. Eh ben, on verra. Oh, de beaux les arbres. Waouh. Rien que pour ça, ça valait déjà le déplacement. Regardez-moi ça comme c'est beau. Oh là là, regardez-moi ça comme c'est beau. Regardez-moi ça comme... Ah, oh, 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 comme c'est beau. Bon, bah tant pis, quoi. Ça va pas le faire, hein. Un peu trop l'est, je crois. Tant pis. En avant-première, le beau temps qui arrive. Eh oui, nous retrouvons une fois de plus dans un paysage fantastique. C'est le nom de tous les aventuriers. Et quel bonheur de le partager avec vous ce soir. Un coucher de soleil inespéré, splendide, sur le Salève. Voilà, la météo annonçait ce genre de choses. Mais personne n'y croyait, à part moi. Le seul problème, c'est que je vole pas. C'est pas grave, c'est très beau. Et ma petite femme m'avait commandé des images de coucher de soleil. Alors voilà, c'est pour toi Bibi, que je fais tout cela. Non, c'est pas vrai, je suis venu pour voler, mais bon. Voilà, voilà. Ainsi s'achève cette série des héros humains, les derniers de l'espèce. Voilà. Moison devant un tel décor. Genève au soleil couchant hivernal. Ouais. Bonheur qu'on apprécie de partager avec l'être aimé. La vie est parfois belle.